Bag Microsoft 365 Battle. Vous êtes une centaine d'étudiants, 34 équipes, 23 écoles. Le chemin est assez long jusqu'à devenir le grand gagnant de ce plus grand concours inter-école de France. Organisation très bien. On a été accueillis comme il se doit, on a été drivés vers les salles, etc. Donc rien à dire, très très bien. C'était très intéressant, ils ont eu de très très bonnes idées, ils nous ont proposé un truc vraiment innovant et différenciant, qui pourrait bien sûr apporter un plus dans notre entreprise. On a vraiment senti la motivation et l'envie de bien faire, c'était vraiment chouette. Sélectionné pour la finale. 3 heures sur place sur une nouvelle problématique imposée par Microsoft. Comment le métier de manager va se transformer avec la première de pluie à... Il y a eu un stress positif, il y a eu l'adrénaline. On s'est mis de suite. On s'est mis de suite. 3 heures pour travailler sur un sujet aussi vaste, c'était un peu difficile, mais en fait c'était très enrichissant parce que c'était un vrai travail d'équipe. Panique à bord, quoi. Une grosse immersion d'idées, ça partait dans tous les sens, c'était très très compliqué. Là. Bravo aux étudiants et à toutes les équipes. On est ravis de continuer ce partenariat avec UPAC parce que c'est extrêmement enrichissant. Sur la 3e place, Lions Team. 2e place, Sherry Yoka. 7e édition de l'UPAC Microsoft 365 Battle. On est surpris tout d'abord parce qu'on se sentait un peu outsider, on représente nos écoles, le M Lyon et le BS Paris. Surpris mais content. Ça a vraiment été une très très belle expérience. Surtout ce qu'on a aimé c'est rencontrer du coup les entreprises et être accueillis voilà, dans les beaux locaux de Microsoft et pouvoir parler sur un sujet d'actualité et qui nous passionne. Foncez parce que c'est une super bonne expérience, vous rencontrez plein de personnes. Et Encore merci du coup à l'IPAG et aux organisateurs qui ont fait ça et j'espère que ça durera pas mal de temps et j'espère aussi que on pourra développer ces initiatives justement dans d'autres boîtes parce que c'est super intéressant ce genre de concours.